Donc nous sommes à Auch et c'est une journée, un colloque organisé par le GAP 32. L'objectif étant de voir au travers de différentes interventions d'agriculteurs, de chercheurs, de personnes du développement, s'il est possible en agriculture biologique de pratiquer, eh bien, d'adapter au moins certaines parties techniques de l'agriculture de conservation des sols. Lorsqu'on parvient à en faire un habitat, eh bien, il délivre à ce moment-là, il s'y produit des processus écologiques qui font que cela délivre, ça aboutit à des fonctions qui correspondent à des services écosystémiques qui permettent à l'agriculteur de voir son champ mieux fonctionner tout en réalisant des économies d'intrants. Côté recherche dans l'UMR Agir, à l'INRA, nous avons étudié différents, justement, services écosystémiques afin de voir quelles étaient quelle était leur intensité d'expression. Et ce que nous montrons, très globalement, c'est qu'effectivement, lorsque l'on gère différemment le sol, lorsqu'on le perturbe moins, eh bien, il délivre des services écosystémiques qui peuvent être intéressants. Mais ce que l'on met aussi en évidence, c'est que ce sont des processus, comme je le disais tout à l'heure, longs à s'installer dans les sols et qui nécessitent pour cela un encadrement technique, peut-être plus important que ce que l'on observe aujourd'hui, qui nécessiterait que la recherche agronomique s'y intéresse davantage à cette agriculture de conservation, surtout si l'on souhaite l'appliquer à l'agriculture biologique. Alors l'agriculture de conservation repose sur trois principes. Le premier, c'est la non-perturbation du sol, ou alors la perturbation minimale du sol. Le second pilier correspond au fait que le sol doit tout le temps être couvert par des résidus organiques et ou une plante en train de se développer, mais une plante maîtrisée. Le troisième principe étant l'allongement et la complexification de la rotation. Il faut au minimum qu'il y ait trois espèces différentes si cultivées, si possible de trois familles différentes, mais durant les intercultures, l'idéal étant évidemment d'installer des couverts végétaux. Et ça ajoute à la complexité, à la richesse des familles botaniques, en tout cas potentiellement, ça peut ajouter à la richesse botanique des plantes cultivées. Alors l'intérêt d'une journée comme celle-ci, ben, c'est de discuter, d'échanger, de recueillir également, et ça c'est très important, de recueillir l'expérience, donc le savoir empirique, mais je préfère parler de savoir tout court, hein, de terrain, savoir pratique, d'expérience des agriculteurs, parce que les agriculteurs innovent énormément dans leurs exploitations, mais la recherche scientifique, en tout cas jusqu'à maintenant, avait un petit peu tendance à ne pas prendre en compte suffisamment en compte ce savoir empirique. Et en fait, on a tout intérêt à le recueillir de façon à mener nos recherches scientifiques peut-être différemment, et en tout cas bien plus en partenariat avec les agriculteurs. Je suis très optimiste pour l'agriculture de conservation des sols, parce que vu tous les avantages qu'elle offre, à condition de parvenir à la pratiquer avec un usage minimum, et pourquoi pas sans aucun usage de produits phytosanitaires, c'est quelque chose qui, si on y parvient, ben, se développera forcément.